sans marque-fold. C'est ça que tu as poigné de main entrepreneur, là. Merci d'être avec nous, on vous félicite. Parlez-nous de cette solution, hein, ce brevet d'ailleurs, et connaître. Solution simple, pratique, on a une seule unité, et vraiment on est dans l'air du temps. Hein. Oui, complètement. L'idée, en fait, avec un passé dans le BTP, l'idée c'était d'emmener l'environnement sur les chantiers du BTP, et notamment l'économie d'eau potable. Donc le système, en fait, récupère des eaux de rinçage de machines qu'on filtre et qu'on neutralise éventuellement afin de la réutiliser et d'éviter de gaspiller de l'eau potable à longueur de journée, puisque c'est des systèmes qui fonctionnent en circuit fermé. Alors, système qui fonctionne en circuit fermé, alors comme vous nous le dites là, Marc Le Foll, ça a l'air tout à fait simple, sauf qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de jus de cerveau, comme on dit, et de R&D chez vous. Hein. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est un produit simple, c'était d'ailleurs l'objectif de le réaliser, puisque le but de l'utilisateur, c'est de ne pas changer sa vie, d'avoir trop de manipulations à faire. Mais en effet, pour réaliser un produit simple, il y a beaucoup de réflexion. Alors, c'est un produit, c'est une innovation, et ce sont des produits qui séduisent des grands groupes. Hein. Vous travaillez avec, vous venez du BTP, et vous êtes allé revoir vos amis du BTP. Là, hein. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on est référencé, on est référencé chez les Bouygues, Vinci et Fage, enfin tous les petits, hein, c'est voilà, ça. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'une PME, combien de collaborateurs, quid du chiffre d'affaires aussi? Alors nous, aujourd'hui, on est que 5 collaborateurs. Bon, on externalise la fabrication sur la région nantaise, pardon. Donc tout l'assemblage, tous les produits, en fait, sont d'innovation interne. Et donc on devrait passer la barre fatidique du million d'euros cette année. Ah, c'est super. Et voir qu'une PME de 5 collaborateurs travaille avec des groupes qui ont plusieurs milliers de collaborateurs et des groupes mondiaux, ainsi Bouygues, pour ne pas les citer, ça mérite un trophée. Vous pouvez applaudir notre division de PME.